On est en pleine période de mue pour les lapins et les deux patates perdent leur poil. Donc j'ai un peu abandonné le fait de ne pas avoir de poil sur mon t-shirt. C'est impossible quand t'as des lapins, surtout en période de mue. Il y a des poils qui volent partout dans la maison. On a beau aérer, on a beau les brosser, c'est... Il y en a partout. Merci Jean-Jean. Merci patate. Bip. Je reviens de deux... Non, pas 2 mois. 1 mois d'arrêt. Ça a failli être plus long, mais heureusement j'ai réussi à négocier avec ma médecin. Je l'ai téléconsulté il y a quelques jours. On a fait une visioconférence et j'ai pu lui présenter Jonjon. J'ai négocié avec mes médecins pour pouvoir reprendre le travail et je peux reprendre à hauteur de 2 heures et demie par jour jusqu'à notre prochaine consultation, date à laquelle on verra si c'est raisonnable pour moi de pouvoir travailler un peu plus longtemps chaque jour. Ça fait vraiment bizarre de filmer après autant de temps sans ma caméra, les éclairages, tout ça, le matériel. J'avais même oublié qu'il me fallait certains bouts d'équipement pour filmer et l'installation était un peu comique. Parce qu'en plus, ce qui s'est passé, c'est que j'avais filmé des vidéos en avance avant de partir en arrêt maladie et donc là, ça fait quasi 2 mois que j'ai pas filmé. Ce serait bizarre de revenir sans parler de mon arrêt maladie, sans parler de comment je vais, mais aussi plus largement l'importance de respecter les arrêts maladie que les médecins donnent, parce que quand un médecin te met en arrêt maladie, c'est qu'il y a vraiment besoin. Et de faire attention aussi à soi au-delà des arrêts maladie et avant les arrêts maladie. Essayer d'éviter les arrêts. Bonjour, Jonjon. Bibi. Lui, il était très content que je sois en arrêt parce que ça voulait dire beaucoup plus de temps pour le câliner. Beaucoup plus de temps pour lui faire des bisous, être avec lui, et j'étais beaucoup allongée aussi, donc il était pas mal dans la chambre avec moi. Ça l'a grandement satisfait. J'ai l'impression que depuis un sacré bout de temps, ma santé est vraiment mauvaise. Et là, j'ai l'impression d'aller mieux, après avoir pris 1 mois de pause, ce qui est énorme et ce que j'ai jamais fait de ma vie. J'ai jamais fait ça! La dernière fois que j'ai pris plus de 1 semaine de pause, quand est-ce que c'était? Mais donc, ça fait un sacré bout de temps. Et je pense que j'en avais besoin. Parce que comme tu peux le voir, bon, là, je suis un peu... Je suis à fond parce que je tourne une vidéo et forcément, dès que je vais arrêter ma caméra, ça va redescendre et... Je vais aller beaucoup moins bien, mais ça va plus tôt. Ça faisait un moment que ma santé était en train de tout baisser et ce qui est très frustrant, c'est que c'était pour plusieurs raisons successives et à chaque fois que je réussissais à stabiliser une raison, il y a une nouvelle raison qui arrivait. J'ai eu des problèmes hormonaux, j'ai eu des problèmes hormonaux de différentes hormones, de différents endroits du corps. La gastroparésie a eu, qui est à peu près stabilisée là, on croise les doigts. Plein de choses successives qui ont fait que j'arrivais jamais à vraiment me reposer et je me mettais la pression pour bosser parce que j'avais peur pour les sous et que je me disais aussi c'est important les vidéos que je fais et les gens me disent, m'envoient des messages pour me dire que ça aide et que ça aide beaucoup et je reçois des messages de personnes qui me disent que ça leur a sauvé la vie. Quasi quotidiennement de personnes qui me disent grâce à toi, moi ou une personne que je connais a eu son diagnostic. Je me suis écoutée, je suis allée voir le médecin, on a découvert un truc, je fais attention à moi, je fais... Enfin, c'était les 2 choses principales. Je me disais, comment je fais pour les sous et pour payer mon loyer? Et comment je fais parce que c'est utile et il faut que je sois absolument, absolument, absolument utile. Sauf que si tu forces trop en travaillant, et le tu c'est un peu moi aussi, mais ça vaut aussi, je suis certain, pour... Toi et plein d'autres personnes qui regardent, si tu forces trop en travaillant, ces 2 points, tu pourras pas les tenir. Tu pourras pas continuer à travailler parce qu'à un moment, tu seras obligé de t'arrêter. Ton corps va juste lâcher comme il m'a fait. Et tu pourras ni aider les gens, ni gagner des sous à nouveau et pouvoir payer ton loyer. Donc il vaut mieux prendre des petites pauses
en amont et faire attention sur le long terme plutôt qu'à un moment devoir t'arrêter pendant 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois. C'est super important de pouvoir faire attention en amont et de pas trop forcer. Comme on dit dans les avions, il faut mettre son masque. Il faut mettre son masque à oxygène avant de mettre le masque à oxygène des autres personnes, parce que si tu t'évanouis, tu pourras plus aider personne. Alors que si tu mets ton masque à oxygène, ça va te permettre d'aller bien, et ensuite tu pourras aider plein de gens. C'est pareil avec la vie de tous les jours. Mais ça a quand même voulu dire une période pendant laquelle il y a moins de sous à la maison et on doit faire plus attention pour pas mal de choses. J'avais conscience qu'en arrêt, quand on est auto-entrepreneur, les indemnités sont pas énormes. Je suis à 7 € par jour pendant mon arrêt, ce qui permet de manger. Mais bon, le loyer, les impôts, tout ça... C'est pas des superbes indemnités qui permettent de vivre longtemps, mais déjà c'est mieux que rien, et ma santé le demandait. C'était absolument nécessaire. C'est une chose dont on a discuté avec le deuxième humain. Ça voulait dire aussi, pendant une certaine période, faire reposer l'équilibre financier du foyer sur une autre personne, et c'est tout de suite très compliqué de se dire « je ne fais pas rien en me reposant ». Et aussi, ce qui s'est passé, c'est que j'allais tellement mal que je pouvais pas faire les choses que je faisais habituellement, qui sont mon rôle dans notre partenariat, dans notre duo. Je pouvais pas faire mes tâches. Je pouvais pas faire toute l'organisation que je fais d'habitude, puisque c'est moi qui gère l'organisation des choses. Comme je n'ai pas l'énergie physique de faire, je vais gérer l'énergie mentale, prévoir des choses à faire, les gens à appeler, prévoir les courses à faire, prévoir les repas, faire les repas parce que j'adore cuisiner. J'avais plus l'énergie de faire tout ça et j'ai ressenti une culpabilité énorme parce que ma santé pourrie n'avait pas uniquement un impact sur moi. Ma santé pourrie avait un impact très clair sur une autre personne que j'aime énormément et qui compte vraiment énormément pour moi. Et je pouvais rien y faire. Et je m'en suis à la fois voulu d'avoir mal géré et de m'être épuisée, même si je sais pas à quel point j'aurais pu l'éviter vu que une grosse partie de ça, c'est ma santé qui est nulle et qui, même si je me repose tout le temps, va pas s'améliorer de façon extraordinaire. Mais quand même, j'ai une part de responsabilité là-dedans parce que j'ai pas fait super attention. J'ai voulu continuer à bosser, j'ai voulu continuer à faire plein de choses et... c'était moyen. Ça a été compliqué de se détacher de cette culpabilité et d'essayer de mettre en place des alternatives en me disant bah, si je peux pas faire ce genre de choses, est-ce que je peux prévoir une sorte de papier ressource qui gérera à ma place une partie de l'organisation, est-ce que je peux prévoir telle chose, est-ce que... Et juste à un moment de me dire il faut lâcher prise et il faut que je reste dans le lit allongé et que je lise un livre, que je joue à un jeu, que je fasse un truc, il faut juste que j'aille me poser. C'est tout. Que j'arrête de penser à tout ça. Il n'y a pas d'autre solution. Si je veux aller mieux un jour, il faut que je fasse ça. Et c'est ce que j'ai essayé de faire pendant ce mois de pause. Ça a plutôt fonctionné, parce que je vais plutôt bien. Et de toute façon, en ce moment, j'ai le droit de reprendre que 2h30 par jour. Et ce que j'ai fait aussi, comme je peux pas sortir avec tout ce qui se passe en ce moment, j'ai pas le droit de sortir comme je suis dans les personnes à risque avec... mes divers problèmes de santé. J'ai tellement de problèmes de santé différents. C'est ça qui est drôle aussi. J'ai pas un seul truc. J'ai plein de choses dans mon corps qui fonctionnent pas et dont j'ai pas forcément parlé en public et... Ouais, enfin bref. Du coup, je peux pas sortir et j'ai peur de perdre mes petits biscottos du fauteuil. Sauf que, comme je me suis reposée, j'ai trouvé d'occasion un pédalier. C'est comme un vélo d'appartement, sauf qu'il y a vraiment que la partie de la pédale, c'est pas très grand. J'ai trouvé ça pour muscler mes bras et pas perdre les muscles que j'ai acquis pendant ce mois en fauteuil. Comme j'allais mieux, que j'avais plus d'énergie, j'ai pu faire du fauteuil et du coup, j'ai gagné un peu des biscottos. Regarde ça. Les petits muscles là. Et donc ce que je fais, c'est que je fais 5 minutes de pédalage comme ça par jour. Avec des jours de pause.
Si jamais tu veux que je te mette le modèle du pédalier que j'ai, je te le mettrai dans la description. Mais voilà, il est super utile pour moi pour pendant le confinement, maintenir mes muscles et pouvoir avoir la même autonomie que j'ai en ce moment quand je pourrai à nouveau sortir. Parce que je vais si mal le vivre si je perds les muscles que j'ai réussi très péniblement et très douloureusement à regagner. Et ça va être compliqué psychologiquement. Fais attention à toi. Fais attention à ta santé, ton énergie. Fais pas comme moi. Et j'espère que si jamais à un moment t'es vraiment dans un état qui va pas du tout, tu as un bon médecin ou une bonne médecin qui saura dire, bah non, là, c'est un arrêt. Quand je suis allée la voir après 2 semaines d'arrêt, je lui ai dit, c'est bon, je vais mieux, je peux reprendre. Et elle a vu ma tête, elle m'a dit, un. On a fait un premier arrêt de 2 semaines pour faire un point ensuite, mais l'état dans lequel vous étiez il y a 2 semaines justifie le fait de remettre un arrêt par-dessus et de refaire 2 semaines à nouveau. Et je devais avoir une tête de quelqu'un qui va pas bien aussi. Ce qui m'a fait vraiment peur, il y a un mois aussi, c'est que j'allais tellement mal physiquement que les répercussions de ma mauvaise santé n'étaient pas uniquement physiques. J'ai eu des périodes de dépression dans ma vie qui ont été très compliquées à vivre avec divers petites choses qui accompagnaient la dépression, qui n'ont pas été sympas du tout. Et ça commençait à revenir. Ça commençait à faire son retour. Et c'est pour ça que j'ai dû prendre rendez-vous chez ma médecin en urgence, parce que c'était si effrayant et si grave que je pouvais pas juste attendre en me disant non, mais je me repose un peu, ça passera. Et c'est vraiment compliqué d'être aussi malade que ça et d'avoir une santé aussi mauvaise. Et il n'y a même pas besoin d'avoir. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a même pas besoin d'être malade à ce point pour que ça ait des conséquences sur ta santé psy. Ça peut être une maladie chronique qui est beaucoup moins handicapante que celle que j'ai au quotidien et qui te permet d'avoir un travail et tout ça, mais il faut pas négliger l'impact d'une maladie sur ta santé psy. Et parce que je reçois souvent des messages de personnes qui me disent oui, mais je suis moins malade que toi, donc peut-être que je suis moins légitime, et je sais pas si j'ai le droit de trouver du réconfort dans tes vidéos parce que je suis moins malade, parce que je suis pas aussi handicapée que toi, parce que blablabla. C'est pas grave. Il faut pas négliger ça et le côté psychologique de la maladie. Et aussi, une grosse partie, je pense, vient du fait que la société n'est absolument pas accessible. Les aides pour les personnes handicapées, les personnes malades chroniques sont ridicules. On vit dans la précarité, on vit dans le rejet, les insultes. C'est pas une vie évidente du tout. Et la santé psy des personnes malades chroniques et des personnes handicapées serait tellement meilleure si le validisme n'existait pas. Peut-être qu'il faudrait que je fasse une vidéo dédiée uniquement à ça et parler des choses un peu plus en profondeur, mais là, c'est encore tout frais. Ça date d'il y a un mois. Mon moment de grosse crise au niveau psy date d'il y a un mois. J'en ai pas parlé, mais je pense qu'il faudrait en parler. Mais là, c'est encore tout frais. Des choses qui sont remontées pas terribles, qui sont vraiment très compliquées, et j'ai eu un mois pour m'en remettre un peu et me reposer et me poser, mais c'est pas évident. Et là, je vais pas super bien non plus parce que la nuit dernière, en pleine nuit, on a dû appeler la police parce qu'il se passait un truc chez les voisins et c'était très violent et fou. C'est pas évident. C'est pas évident. Et sinon, toi, comment tu vas? Comment tu te sens? Comment ça se passe? Tout ça. N'hésite pas à répondre en commentaire parce que c'est là qu'on peut discuter. Ça peut être soit comment tu vas, comment le confinement se passe pour toi, et parler de ce genre de choses, se remonter le moral entre nous, et aussi comment tu vis ta maladie ou ton handicap? Et comment tu arrives à faire des pauses? Comment est-ce que tu arrives à gérer aussi le validisme, le côté psy? Comment tu gères ta santé psy par rapport à ta maladie ou ton handicap? Et comment, même si c'est par exemple une maladie psy, comment est-ce que tu gères ta santé psy par rapport à ta maladie psy? Parce que le validisme et toutes les choses qu'il y a autour et les choses que ça peut t'empêcher de faire et ce genre de choses va aussi avoir un impact sur ta santé. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup aux personnes qui sont allées voir sur ma wishlist Amazon et qui m'ont envoyé des petites choses et ça m'a fait tellement de bien. Ça m'a fait tellement, tellement, tellement de bien pendant ce mois de pause. Merci énormément. Beaucoup, 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 beaucoup.
Et c'est pas du tout une obligation, mais si jamais, c'est aussi un moyen de me soutenir. Tu peux aller voir dans la description. Il y a ma wishlist, la wishlist des patates. C'est des listes d'objets qui nous feraient plaisir. Ou alors, j'ai aussi créé un profil sur lequel je te mets mon matériel pour filmer, mes objets préférés pour te les conseiller, et aussi des objets pour les lapins, si jamais t'as des lapins pour leur faire plaisir, et des objets qui améliorent mon accessibilité au quotidien que j'ai testé et que je te conseille. Donc si jamais tu veux des idées de choses pour améliorer ton quotidien, va voir en bas dans la description. N'hésite pas à me soutenir sur Utip aussi, c'est ce qui me permet de continuer ces vidéos. Et là, ça a été un mois très compliqué, donc ton soutien est d'autant plus important. Prends bien soin de toi et de celles que tu aimes. Reste chez toi, souris aux gens qui sont dans ta maison, souris aux gens en visioconférence. Prends des photos de toi qui sourit et envoie-les aux gens, mais reste chez toi. Et puis, à tout bientôt !